Alright, so today is January 5th, it's sunny, about 3-4 degrees. I did my first ride this morning, I went to Kitagami and back, and I checked the calendar. So this year, the long weekend of Umi no Hi is actually 4 days. So it's Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And the C2C charity ride will be on Friday and Saturday. So you have one day before and one day after. One day to get ready and one day to relax after. And we'll have a barbecue after the first day in Hanamaki. So we start on the 24th in Kamaishi, about 7:30. We ride to Hanamaki, and then the next day again we start 7:30 and go to Yurihonjo. So this year will be, I guess, Olympic edition. Alright, see you there. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 5 janvier, il fait beau, ensoleillé, un peu de nuages, environ 0 degré, peut-être 1 ou 2 degrés. Aujourd'hui c'est la première journée d'entraînement pour le C2C Charity Challenge. C'est une randonnée de vélo du Pacifique à la mer du Japon chaque année. C'est une charité, alors on aide les enfants handicapés de Kamaishi. Alors cette année, ça s'appelle la Umi no Hi, c'est la journée de la mer. Et cette année, parce que c'est l'ouverture des Olympiques, la fin de semaine est de 4 jours. Alors, ça va être le 24 et le 25 juillet cette année. C'est un vendredi et un samedi. Alors, ça vous donne une journée avant pour arriver, une journée avant pour vous reposer. C'est une excellente occasion pour visiter le Tohoku. On fait la randonnée de Kamaishi sur le Pacifique jusqu'à Yurihonjo à Akita sur la mer du Japon. C'est environ 220 km, c'est environ 100 km par jour. Vous pouvez participer à un jour ou l'autre ou les deux jours. Et entre les deux jours, il y a un barbecue à Hanamaki. Alors, je vous invite tous à visiter. Allons-y. こんにちは。今日は1月5日。あと今年の、C2C チャリティーライドは7月24と25。24は東京オリンピックに始まる日だから一緒。あと今年のその週末は4日間。木、金、土、日曜日。だから長い週末。あと去年と同じ。24の夜はバーベキューする花巻に。あと24は釜石から花巻まで。25は花巻から由利本荘まで。それはみんなやりましょう。よろしくお願いします。バイバイ。